Oui, merci, merci Madame la Maire. Avant peut-être d'entrer dans les délibérations, je souhaitais revenir sur ce début d'année dans nos écoles, largement marqué par la crise sanitaire et sur la mobilisation de l'ensemble des professionnels pour maintenir l'ouverture des écoles dans de bonnes conditions matérielles, affectives et de sécurité sanitaire. Pour information, entre le 1er septembre et le 6 octobre, 40 écoles sur 113 ont été touchées par la Covid-19 et 34 classes ont fermé pour une période allant de 2 à 14 jours. À ce jour, 8 écoles sont encore concernées par des cas de Covid, mais pour les adultes, et aucune classe n'est fermée. Tous les enfants bénéficient donc de leur droit à l'éducation et nous pouvons nous en réjouir. Je tenais cependant à remercier chaleureusement l'ensemble des professionnels, toutes catégories confondues, que ce soit les professionnels de la ville, du périscolaire, de l'éducation nationale, qui sont mobilisés pour assurer la continuité de l'accueil des enfants dans les écoles et les assurer aussi de notre soutien dans cette période qui les sollicite de manière très exigeante. Pour ce qui concerne la délibération 14, je suis donc ravie de vous proposer aujourd'hui d'autoriser le lancement d'un jury de concours pour la réalisation d'un projet d'extension de notre patrimoine scolaire sur le quartier Malakoff. Depuis 2017, nous investissons dans un vaste programme de réhabilitation et d'extension de notre patrimoine scolaire, avec 29 opérations, dont 19 sont déjà en cours, et 6 projets de nouvelle école, pour un montant global de 220 millions d'euros. En proposant la reconstruction et l'extension de l'école Freinet-Ange-Guépin, ce projet participe pleinement de ce schéma directeur et vient répondre aux besoins d'accueil des enfants du quartier Malakoff sur temps scolaire, mais aussi sur temps périscolaire et centre de loisirs, avec des espaces pensés comme des lieux de vie mutualisés, une salle polyvalente et un terrain de sport ouvert sur le quartier. Ce projet propose d'offrir aux enfants du quartier 4 à 5 classes de maternelle supplémentaires et 2 à 5 classes élémentaires supplémentaires, en fonction du classement de cette école en zone d'éducation prioritaire, décision qui devrait intervenir au courant de l'année prochaine. Et toutes ces classes s'inscriront dans le projet pédagogique propre à cette école. L'élaboration du programme a fait l'objet d'une concertation approfondie avec la communauté éducative et avec les enfants, pour prendre en compte la spécificité de la pédagogie Freinet, la libre circulation des enfants et des parents dans l'école, la modularité des espaces, l'ouverture sur l'extérieur, et prévoir des lieux et des temps de représentation collective. Cette concertation va se poursuivre tout au long du projet, et je salue moi aussi les parents qui sont présents aujourd'hui, mais l'ensemble des parents pour leur mobilisation et leur engagement dans les différents temps d'échange qui ont déjà eu lieu, et aussi pour promouvoir la participation des enfants. Ce projet nous donne donc l'occasion de mettre en œuvre dès à présent nos engagements de mandat avec un bâti encore plus vertueux et 100% de toiture utile, et sur une nouvelle manière de concevoir nos cours d'école, qui prennent en compte à la fois les enjeux climatiques, en travaillant sur les matériaux utilisés, sur les zones d'ombre, par exemple, qui prennent en compte également la mixité des usages, en particulier entre filles et garçons, et pour permettre, enfin, le développement de supports pédagogiques extérieurs, comme peut l'être un jardin pédagogique, par exemple, sur tous les temps de l'enfant. Par sa situation un peu exceptionnelle, au bord du parc de la Roche, ce projet de reconstruction de l'école Freinet-Ange-Guépin sera l'occasion d'avancer plus largement sur le principe d'une école qui permette à tous les enfants d'être en lien avec la nature, quelles que soient leurs conditions de vie et de logement au quotidien. Je vous demande donc d'approuver l'actualisation du programme de reconstruction à neuf de l'école Freinet-Ange-Guépin, avec une enveloppe financière prévisionnelle de 15,6 millions d'euros dans le cas d'un projet à 5 maternelles et 10 élémentaires, et 14,6 millions d'euros dans le cas où l'école ne serait pas retenue en classement REP, et donc pour 4 maternelles et 7 élémentaires. Et d'autoriser le lancement du concours restreint de maîtrise d'œuvre, ainsi que d'élire les membres du jury de concours. Donc la liste des membres du jury vous ont été remis sur table, avec 5 titulaires, Madame Aïcha Bassal, Monsieur Thomas Quérault, Madame Delphine Bonamy, Monsieur Michel Cottier et Madame Sophie Van Gothem, et 5 suppléants, Madame Azilis Guez, Madame Virginie Ferreira, Monsieur Tristan Riom, Madame Nathalie Blin et Madame Anne-Sophie Guerra. Merci.